Bon les amis, premier jour, on est mercredi matin, c'est ça, ouais. On est 1er juin. On attend toujours les mêmes. Ouais, tiens, on va te voir un petit peu toi pour un coup. Ah, c'est avant que tu parles. Ouais, c'est à toi que je parle. Ah, bon, les motos sont propres. Ah, ouais, propres. Et on a la petite Camille qui est avec nous. À l'heure. À l'heure. Par contre, Amaury et Noélie. Bouh. C'est eux qui vont payer le plein. Ouais, c'est clair. Bon, t'arrives à quelle heure, monsieur Momo? 8h moins le quart. Ah, d'accord, bon. Bon, y'a qui doit mettre de l'essence sinon? Bah, on met tout le monde. Bon, du coup, ça va pour l'instant la route? Ouais, bah je voulais changer de musique et je suis tombé sur Kevin. Aïe 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 aïe. Nevers, vous le dites à la française ou à l'anglaise. On est à l'hôtel, petit Ibis. Ça va, on a les motos à vue, en cas de problème. Oh, il a fait bien chaud sur la route, c'était bien fatigant. On a roulé plus de 6 heures, on a fait 440 km environ. Et demain, on a un petit peu moins, je ne sais pas combien on a. Direction Alès. J'espère que ça va bien se passer, là on est plutôt fatigué là, c'est vrai. Là, ça va faire du bien, un peu de sommeil là, un peu de repos. Voilà. En tout cas, c'était bien, franchement, rouler sur le beau temps comme ça, sous le beau temps, ça fait plaisir. À chaque fois, les Vosges et les Ardennes, on avait eu de la pluie. Donc bon, là ça fait clairement du bien. Allez. Alors Kevin, on se reprépare. Attention. Pour se taper la pluie. Ah, tu es en train de me filmer. Ouais. Ah ouais. Et qui c'est qui a pas tenu pluie? Je suis payé à combien moi? J'en sais rien. Pour le film là. Rien du tout. Ouais, putain, il a eu le pouce. Un bâtard. Bah tenez plus exigé. On va te faire foutre. Et moi je suis un grand acteur. Un grand acteur? Ouais. Un dieu. Le festival de Cannes y est passé, non? C'est pas qui je suis. Ouais, putain. Bon, on va sortir la tenue de pluie alors. Allez, c'est parti pour 6 heures sous la pluie. 7 heures, pardon, 7 heures. Bon, dernière ligne droite en direction de Alès, le Airbnb. Bon, c'est pas vraiment Alès, c'est un petit peu à côté, mais voilà. Il nous reste environ 7 heures de route avant d'arriver proche du Highside Festival. J'ai vraiment hâte qu'on arrive, surtout que là, bah, le temps s'est dégradé. Bon, cette année, ça va, j'ai des bons pneus, donc ça devrait le faire. Bah, après, je serai mouillé, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est dommage quand même qu'il pleut, parce que là, on va arriver sur les routes les plus intéressantes. Il va y avoir de la courbe. Et ben non. Enfin, elles seront là, elles. Hein. Mais on va pas pouvoir s'amuser comme on souhaite, parce que là, ça va glisser, c'est sûr. Donc même si c'est à... Même si c'est à 300 ou 400 km, non, c'est à 400 km, ouais, il nous reste 400 km à faire. Je pense que bah, le temps il sera quand même comme ça en fait. A voir. Bon, on croise les doigts. Thank you.
magnifique maison, une magnifique vue. Bon, la route était fatigante, mais sur la fin, on a eu des beaux virages quand même, avec une belle vue. Bon, j'avoue que la Z, elle a soif quand même. Hein. On a fait beaucoup de plein d'essence, mais dans l'ensemble, ça va. Là, je me suis mis en short, là, ça fait vraiment du bien. Ouf. Le truc, c'est qu'après, il faut se rhabiller, on va aller faire 2-3 petites courses. Bon, demain, première journée du Highside Festival, on va voir qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça donne. Je crois que ça va être vraiment bien, il y aura du monde. Et il va faire très chaud, parce que là, il fait 37 degrés. Mais c'est pas comme dans le nord, tu vois, on respire ici. Il y a de la forêt et de la nature, ça va. Les routes sont super cool. C'est des routes que je faisais quand j'étais plus petit avec mes parents en voiture. Et là, les faire en moto, c'est vraiment quelque chose de... C'est une chance, franchement. C'est cool. Voilà. Bon, allez. Oh, il est vachement bien ici. Bon, là on se prépare. On va aller à Alès, au circuit. On va aller voir un peu, parce qu'il y a des roadbooks et des trucs. Donc il y a une petite organisation, on va faire le tour, on va essayer d'en profiter un peu le vendredi parce qu'à mon avis il y aura moins de monde que le samedi dimanche. Voilà. Donc et puis on a pris des affaires de bain, on va peut-être aller se baigner aussi. Franchement, elle est dégueulasse sa moto. Un liseré gadou. Aïe 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 aïe. Elle est sale. Arrivé là, on va s'inscrire à la billetterie, un petit peu de monde, bon ça va il est 10h hein. Puis il y a le parking de voiture qui est ailleurs. Bon, mon ticket est sur mon téléphone alors je suis obligé de vous laisser. Ouh, petite VMAX. Il est beau le bleu comme ça. Non, il y a les zéros en plus là. Mais non, c'est rare ça, non? Honda, il faisait vraiment des trucs chelous. Hein. On dirait un jouet pour enfants. Tu sais que tu viens avec tes jambes. Hier, en baladant dans Alès, je suis devant un coiffeur. Terreau. Dans le salon coiffeur. Dans le salon coiffeur. Ça, je sais pas ce que c'est, mais. Moto compo. Ouais. Ah ouais. Là, en fait c'est un enjeu d'hiver. Ouais, comme les Formule 1. Ça par contre le disque avant il est fat. Ah ouais! Ça vaut trop Lolo? Enfin, encore que. Bah, non, même pas. Bah, il y a des coups dessus, hein, si elle a mangé, non? Ouais, si, parce que c'est celle-là. Ah, c'est peut-être celle de. D'Amory. Le petit Nikan Turbo.
Bah ouais, je cherche. Ah, c'est avec elle qu'ils auraient joué, roulé sur le lac gelé là, c'est pas ça? Elle est belle en vrai. Ils rigolent pas eux sur l'équipe. En... Non. Ah, et puis la KTM elle est pas mal aussi là. C'est celle qu'on parlait là, la RC. C'est cool, je vois dans la porte. Eh, franchement, on dirait Grandi Druidy, il y a des Colson partout. Petit nettoyage de la chaîne, plus retendage de la chaîne gratuit par Ipone. Ça déchire sa race. Surtout que bah, moi j'ai beaucoup roulé, du coup la chaîne elle s'est peut-être un peu détendue. Puis elle est crade quoi, elle est méga crade. Donc ça va lui faire du bien. Trop bien. Merci Ipone. Ah, j'ai vu un poisson sortir de l'eau. Oui. La vérité. Oh, c'est beau. Bon allez, on va aller se baigner. Je vous cache pas, j'en ai vachement besoin. Là, on a tous trop chaud. One eternity later. Ah, celle-là, elle tue. Ouais, toute sa classe. Là, tu peux faire un 4x3. C'est la tête de beau jour. Ça te va? Là, tu peux y aller. Ciao.
François Poncé. Fucking be my girl. We'll be right back.
On vient de se taper 162 km en 3 heures avec que des virages en montagne. Je suis rassé. Du coup, toi, Amaury, t'as aimé les petites routes, c'est ça? Bien qui se coupe? Comme ça. Comme ça. Par contre, les longues courbes, bof, bof. Bah, ça repose un peu entre deux. Pas pareil. Puis, c'est des vicieux par ici parce qu'ils font une grande courbe et puis d'un coup, elle referme. Hein. Alors, ouais. Attention. Mais il n'y avait pas trop, il n'y avait pas d'épingle, donc ça va. Il y a des cailloux aussi. Ouais. Ouais, les gravions, mais ça fait un moment, à mon avis, qu'ils ont dû être faits parce que. Ah bah moi avec mes bouchons. En fait avec les bouchons d'oreilles c'est. On l'envoyait même dans le dos. Ah bah j'ai rien entendu, j'ai rien senti moi. Oh là 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 là. Ton pneu il est encore plus raide alors. Aïe aïe aïe, il va faire de la piste avec ça. Aïe aïe aïe. Bon, c'est peut-être un endroit que vous connaissez, les amis. Aujourd'hui, on est dimanche. C'est le dernier jour du Highside Festival et nous, on repart lundi matin. Et en ce dimanche matin, je voulais profiter un peu du coin. J'avais vu 2-3 petits trucs. Ça, c'est les essais motos du Highside Festival. MV Agusta. Pas mal, pas mal. Et en fait, hier, on a fait un roadbook de 3 heures. Et je suis passé devant ces véhicules militaires, c'est vrai. Que ça m'a tapé dans l'œil et que je voulais à tout prix venir ici voir de quoi il s'agissait. C'est des véhicules que j'avais déjà vu dans une vidéo, mais je sais plus de qui. Et franchement, je suis content d'être tombé dessus par hasard en fait. Ils ont mangé, hein. Ils ont pris l'intempérie. Hein. Bon, je vais continuer parce qu'à la base, c'était pour aller voir un petit château que j'avais repris la moto. Puis après, on va aller voir un petit col. On va faire quelques photos de la moto. Puis après, on va rentrer, on va aller retourner au Highside Festival où Kevin, normalement, est en train de faire une journée piste. Donc, on va aller le voir. On va aller recueillir ses informations, enfin son ressenti de cette première fois pour lui sur circuit. À mon avis, il va être content. Bon, je suis arrivé à ce beau petit château. Le château de Porte. On va essayer de s'en approcher, voir un petit peu si on peut aller à l'intérieur, mais bon, je pense pas. Enfin, je sais pas, c'est peut-être payant, donc on va voir. Parce que j'ai pas de monnaie avec moi. Il est magnifique. Bon, j'ai quand même craqué, hein. Vous savez tous que pour visiter un château, je suis le premier à vouloir le faire. Ils sont très gentils les gens ici. Regardez la vue qu'on a, c'est incroyable. Les gens sont très gentils et en plus c'est pas très cher. Donc n'hésitez pas à venir visiter ce château.
Ah là là là, c'est agréable. Il y a un petit air frais là-haut. Bon, je suis actuellement au col du Mât. Je pensais aller ailleurs, mais en fin de compte, le col que je voulais faire, c'est des chemins de caillasse. Et en Z900, c'est pas terrible. J'ai pas envie d'exploser un pneu et d'être coincé là-haut. Il y avait 3 km de chemin de caillasse à faire sans être sûr du résultat final là-haut. Et bah, sur la route, je sais que je passe par un col. Et la vue est vraiment très belle aussi ici, mais bon, c'est une route plus passante, c'est vrai. Regardez la vue qu'on a! Des lieux de la planète aussi, messieurs dames. Je rappelle qu'elle ne nous appartient pas, nous ne sommes que locataires ici, donc respectez notre mère nature. C'est bientôt au tour de notre petit Kevin d'aller rouler. Bientôt. Je crois que c'est la session d'après. On va l'avoir bien là. Bien comme il faut. Allez Kevin! C'est bien ça. Et là, le petit Kevin, il va être explosé avec la chaleur là. Bon, voilà, je retourne à ma moto chercher mon casque et tout. Parce que je dois me préparer, parce que j'ai un baptême piste. Donc, en tant que passager, ça s'annonce lourd. On attend, je vais être avec Pompon. Ça va être cool. Le baptême avec Pompon. Ouais, c'est bon. Thank you.
ça s'est super bien passé avec Pompon, c'était mortel. Et là, ça y est, on quitte Highside Festival. Demain, retour dans le Nord, voilà. Allez, au revoir Highside Festival.